Atypique, attachant, américain, Josh est tout ça à la fois. Il allie la générosité et la pratique de son art à cet état d'esprit unique au Cap-Vert. On peut appeler ça de la ferveur. Pour lui, c'est la base de toute sa démarche. Bonjour, ça c'est Joe. Un des meilleurs locaux de Cap-Vert qui fait la planche à voile, du surf et tout ça. Je suis content de rester avec Josh parce que nous sommes très amis. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Il me donne les possibilités. Et ça, c'est une chose ici, nous, à Cap-Vert, c'est vraiment, vraiment difficile à trouver ça. La spiritualité vous donne de la force. Cette force, Josh, le bon chrétien, la puise dans la nature déchaînée. La première fois que je viens à Cap-Vert, c'est parce que je viens pour chercher des bonnes conditions du surf et windsurf. Et ça fait longtemps que j'ai quelques potes qui parlent du Cap-Vert et j'étais bien intéressé. Je viens dans l'année 98. J'aime beaucoup le style de vie ici. C'est vraiment une île, mais c'est moins vite la vie que Maui. Maui, maintenant, c'est, il y a plein de choses américaines que moi, j'aime bien. Moi, je suis américain, mais à la même temps, ici, les gens pensent différent, tu sais. C'est plus les choses vraies dans la vie qui comptent. La famille, la bouffe, les temps tranquilles, les fêtes avec les amis. Et les gens sont vrais, tu sais. Tu ne perds pas le temps pour n'importe quoi. C'est dimanche matin, nous sommes là à l'église, l'église de Nazareth. On parle avec Jésus, c'est entre mes frères et mes soeurs. C'est super. Ça m'a donné beaucoup de feeling pour aller à la mer plus tard, en taper quelques vagues. Quoi. Aujourd'hui, il y a des super conditions, mais toujours dimanche, bon, première, c'est à l'église. Hein.